m'appelle Olivier Durand et ça fait 19 ans, je crois, que je suis rugby maintenant. J'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à Maran en cadet, je suis resté 6 ans à Maran, ensuite je suis parti 3 ans au Stade Rochelet pour jouer en une année en Rochelet et 2 années en Espoir, et ensuite je suis venu à La Roche, donc ça fait 10 ans. Ça s'est fait un peu par hasard, c'est un copain de mon père qui, en fait j'ai un frère jumeau et il voyait déjà deux grands deuxième lignes, donc il voulait me forcer à faire du rugby, je faisais pas du tout de sport. Et puis ça s'est fait un peu par hasard comme ça, et puis j'ai accroché à ce sport et du coup j'y suis resté depuis tout ce temps-là, quoi. Alors que mon frère a arrêté, lui, par contre. L'état d'esprit, donc c'est un sport d'équipe. Je pense qu'il y a un état d'esprit, pas comme dans tous les sports d'équipe, où en fait c'est une bonne camaraderie. Et puis ensuite le défi physique. Ouais, c'est rigoureux, mais après, une fois que le match est terminé, c'est une bonne partie de plaisir, et puis ça reste un sport, quoi. Donc c'est donc un bon état d'esprit. Donc, c'est surtout ça qui me plaît, quoi. Moi, j'étais plus sport co que un sport individuel. Après, ouais, ça s'est fait aussi. Peut-être que si j'avais commencé un autre sport, j'aurais fait autre chose, mais là, non, c'est vrai que le sport collectif me convient bien, je pense. Pour être bon au rugby, déjà je pense qu'il faut avoir un gabarit intéressant, donc c'est ce qu'on voit à haut niveau, ce qui fait la différence aussi, c'est un gabarit solide maintenant, c'est ce que ça demande, et puis être athlétique, un peu d'humilité aussi, si je pense que si ça marche pas sinon dans le rugby, quoi. Par semaine, c'est deux entrées dedans, donc le mercredi et le vendredi, plus un match le dimanche, et puis après, si on veut, on peut faire un peu de muscu en dehors, quoi. Je joue, alors à l'origine, j'étais troisième ligne, mais en vieillissant, je passe deuxième ligne. Mais je m'arrêterai avant de passer première ligne. Le rôle de deuxième ligne, c'est la mêlée, donc déjà pousser en mêlée. Moi en particulier, sauter en touche aussi. En général, deuxième ligne saute en touche. Et puis après, c'est vrai que maintenant, le rugby moderne, c'est le poste de deuxième ligne est beaucoup moins ingrat qu'il était auparavant, où on se contentait de mettre la tête dans les tas et puis de pousser, quoi. Maintenant, c'est un peu plus agréable à jouer, quoi. En général, ouais, faut être c'est les plus grands pour sauter en touche, et puis pour pousser en mêlée, c'est vrai que souvent c'est des grands gabarits, quoi. Donc moi j'étais limite, mais par la force des choses, je glisse en deuxième ligne, quoi. Capitaine, je pense que c'est essayer de motiver un petit peu les troupes, trouver quelquefois les mots qu'il faut avant le match pour essayer de motiver tout le monde, donc c'est pas toujours facile, mais après c'est arriver à rester un petit peu lucide aussi pendant la partie pour essayer de diriger un petit peu tout le monde et que ça se passe bien sur le terrain, quoi.
c'était, on va dire, ça s'est mal passé au début de saison. Après, ça, on a enchaîné des victoires, donc 9 d'affilée, je crois. Donc ça, c'était, on avait pris du plaisir. Puis je pense qu'après, le championnat étant assez haché et puis l'hiver assez rugueux, je pense que ça, on a eu du mal à mobiliser tout le monde et du coup, on a perdu en efficacité en février-mars, quoi. Moi, puis bon, les entraîneurs, puis bon, tout le monde, hein, tout le monde y ramène un petit peu son. Essaye de mettre sa pierre à l'édifice, comme on dit, mais bon, c'est pas toujours facile, parce que moi, c'est pareil, j'ai des coups de mou aussi, donc j'aime bien aussi qu'on m'encourage et qu'on m'entraîne dans une bonne dynamique, quoi. C'est pas, je disais que j'arrêterais peut-être à la fin de la saison. Maintenant, je vais voir, ça dépendra aussi des objectifs du club. S'ils ont un projet intéressant pour l'année prochaine, peut-être faire une saison de plus, quoi. Mais je pense que je suis plus près de la fin que du début. En vieillissant, si, ça commence à. Ça tire un peu sur la mécanique, quoi. Mais bon, c'est vrai que le goût des matchs et tout, ça revient toujours. Après, les entraînements, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Comme cet hiver, c'est un peu plus rugueux, c'est vrai que c'est plus difficile de se motiver, mais bon. Le fait de justement que ce soit un sport collectif, bah on se force à y aller parce qu'on n'est pas tout seul et on est obligé d'y aller pour les copains, quoi. Physiquement, ça devient plus difficile. Puis c'est aussi le. Il faut gérer ça avec la vie de famille, quoi. Maintenant, j'ai un petit garçon. C'est vrai qu'il faut arriver à concilier les deux. Donc, ma femme fait du sport aussi, donc après je pense qu'elle a fait suffisamment de sacrifices aussi pour peut-être aussi lui laisser faire son sport tranquillement. Donc je vais voir ça d'ici la fin de saison. Je ne suis pas encore décidé.